canal. La région de Digne-Chor, presque les 99% des maires, c'est des nouveaux maires. Donc aujourd'hui, notre première action envers ces collectivités locales, c'est de les sensibiliser, de faire des plaidoyers, même juste par rapport à la loi d'orientation sociale. Parce qu'on voit que beaucoup de collectivités, jusqu'à présent, ne connaissent pas la loi. Maintenant, on va démultiplier les formations envers ces collectivités pour leur faire comprendre qu'il y a une loi qui est là, qui protège les personnes en situation de handicap. Les problèmes les plus récurrents, je peux citer parmi les problèmes, le problème d'emploi. L'emploi, donc aujourd'hui, reste un problème vraiment fondamental pour les personnes handicapées parce que la loi l'a si bien dit. Aujourd'hui, Sénégal ou bien aujourd'hui, si on procède à un recrutement, donc les 15%, les 15% seront des personnes handicapées. Mais malheureusement, cela n'a pas été respecté partout. Même au plus haut niveau, ça commence au niveau de l'État jusqu'au niveau de la collectivité. Mais également, il y a donc problème de santé parce qu'aujourd'hui, la santé... Parce que auparavant, avec la carte d'égalité des chances, on peut bénéficier des soins donc gratuitement. Mais malheureusement, actuellement, donc, cela n'est pas possible. Il faut vraiment débourser de l'argent pour se faire soigner. Même quand il y a la carte, auparavant, c'était gratuit. Donc la prise en charge était gratuite. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est des problèmes. Quand il y a donc une ordonnance à payer, donc il faut débourser de l'argent. Alors que beaucoup de personnes handicapées ne travaillent pas, sont dans le chômage et donc là c'est un problème. L'éducation aussi ça reste un problème jusqu'à présent parce que c'est vrai, Humanité Inclusion, INEFJA ont beaucoup fait, mais quand même jusqu'à présent, l'éducation il faut encore vraiment booster pour... Méridional.